1, 2, 3, 1, 2, 3. Il est triste, ce gamin. La 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 la. Pourquoi tu parles pas? T'as une maladie? Ses parents sont décédés quand il avait 2 ans. Tout ce que je sais, c'est qu'il était présent quand c'est arrivé. Elle te regarde. De tout là-haut. Elle est là, ta mère. Dans les eaux troubles de ta mémoire. Et avec quoi on les appâte, les souvenirs? Avec ça. Ah ouais, j'oubliais. C'est pas gratuit. Bah, faut bien vivre, hein. Un peu d'amour, un peu de miel, un peu de soleil. Les souvenirs, ça aime ça, la musique. C'est tout ce qu'il faut. On dirait qu'il va parler. Bah alors, mon petit père, t'en as mis du temps. Tu l'as vu, ta mère? Si t'es tante, elle te pose des questions, t'es au marché. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il y a quelques effets secondaires, mais l'un dans l'autre, ça vaut le voyage. Paul ne s'est jamais comporté comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure de souper. C'est pas la mort qui l'empêche de vivre, ce gamin. On tourne en rond. Si on fait rien, bah il aura 2 ans toute sa vie. Il n'a pas fait de santé, votre garçon. Et les légumes? Une sorte d'empoisonnement. Un empoisonnement aux légumes? Je peux vérifier? S'il vous plaît. Les mauvais souvenirs, faut les noyer sous des flots de petits bonheurs. C'est tout ce que je te souhaite. Mais c'est à toi d'ouvrir le robinet. Il me serre si beau dans ses bras, que mon souffle ne repousse pas. Il est barbare, il est cruel, mon âme il amassait. Tu veux un conseil avec les femmes? Bah j'en ai pas.